La courgette, c'est facile. Tout ton petit morceau, tu penses? Est-ce que tu as lavé avant? Ça, c'est de qui? C'est de quoi? D'un rouge. Ah oui, bah, budget. Ouais, salut. On est là avec mon poteau. Déjà, je suis content que tu sois là. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. On a jamais fait un stream tous les deux. Non, jamais. Pourtant, on se côtoie beaucoup. C'est vrai, ça m'étonne, mais il fallait une première. Donc. C'est notre première fois, on peut dire, devant tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de Au Fourneau en partenariat avec Aldi. Donc, est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai eu des échos, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va cuisiner. Est-ce que tu sais cuisiner? Je sais couper du saucisson, servir l'apéro, mais cuisiner, oui, c'est très limité. C'est quoi le plus gros truc que tu as cuisiné? Vraiment, la plus grande recette? Bah, sincèrement, des pâtes, hein. Ça nous fait encore un point commun. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai eu des échos. On a un candidat de fou. T'es prêt? On y va? On vas-y, va le vas-y, rencontrer. Vas-y. Vas-y, c'est parti. Comme tu peux voir, la maison de fou malade, hein. Pas fait visiter encore. Ah, c'est assez cocooning. Tu sais que ça paye bien, Vita. Hein. Ouais. Tu sais que Vita, ça paye bien. Je confirme. On est avec Johan. Alors, j'avais fait un thème, tu sais, sur Twitter. Comme d'hab, pour participer, c'était très simple. Fallait juste répondre au tweet avec votre recette, etc. Et c'est Johan qui a gagné. Le thème, c'était les cuisines du monde. Donc voilà, on peut te laisser venir, Johan. Salut. Ça va ? Bah, vas-y, Johan, présentons. On te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Johan, j'ai 23 ans. Je suis cuisinier traiteur. Là, tu vois, ça, c'est la dinguerie. Hein. Attends, mais c'est pas la plus grosse dinguerie. Attends. J'ai participé au Objectif Top Chef il y a maintenant 2 ans. Mm-hmm. Tu sais c'est quoi ça ou pas? Une belle émission. Tu vois, ça c'est des trucs de fou. Mm. J'ai peur de ce qu'il y a. Moi je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai peur de ça ce sent que... la dinguerie, ça sent la dinguerie. Et on va enlever la cloche, on va tu vas nous expliquer ton repas, le repas qu'on va devoir faire aujourd'hui. C'est... Il n'y a pas beaucoup de contenu. Je pense que c'est une sauce de zinzin. On est parti sur un tataki de thon. Autour du Japon. T'as déjà fait du thon? Non. Moi aussi. Mais c'est une première à thon. La boîte de thon là, que tu mets dans ton sandwich là, avec des œufs et de la mayonnaise. J'aime pas le thon. Mais... Alors là, c'est complètement différent, je vous le dis. Écoute, comme d'hab, les gars, le programme c'est quoi? On a 4 minutes cette fois-ci, parce que la dernière fois on n'avait pas assez de temps. On a 4 minutes pour noter le plus d'informations possible sur le truc. Donc j'ai demandé à Kadab avant s'il savait écrire, il m'a dit non. Ça nous fait encore un point de commun, décidément. J'ai vraiment fait la pour. Non, mais je sais écrire, mais c'est vraiment un truc de vite. On va se répartir les tâches. J'avais fait la dernière fois avec Rocky, ça avait pas trop marché parce qu'on était nuls quand même. Mais moi, il faut que je note les ingrédients et toi les grammes. On rate des trucs, c'est fini. Ah, je mets deux, vas-y. 3, 2, 1, go. Alors, pour le thon, ajoutez dans le bol un verre de sauce soja, un demi-verre d'huile de sésame, un fond de verre de vinaigre de riz, et un fond de verre de saké. Alors, saké, vinaigre de riz. Quoi, saké. Mais comment on écrit déjà saké? Mais attends, vite, on n'a pas le temps. Okay. Plonger le thon rouge à l'intérieur. Thon dedans. Et le mettre au frais pendant 1 heure. Pour la salade de boulgour qui se retrouve juste ici, cuire le boulgour jusqu'à ce que les grains grossissent. Couper des carottes et des courgettes en petits cubes, ajouter un petit peu d'huile de sésame, mélanger et stocker ça au frais. Non, mais super bon là en fait. Pour la gelée de yuzu, ramollir 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Ramollir quoi? 3 feuilles de gélatine. Si je l'interromps tous les deux, on va pas arriver. Dans de l'eau froide, puis porter à ébullition 200 g de jus de yuzu. Attends, bon. Avec 100 g de sucre, puis couler ça dans une plaque. Pour la crème avocat calamansi qui se trouve juste ici. Oh là là. Crème quoi? Avocat calamansi. Récupérer la chair de 2 avocats, puis mixer 50 g de jus de calamansi et 50 g de crème liquide. Puis ajouter un petit peu de sel. Calamansi et quoi? Désolé. Calamansi, crème. À crème fraîche? Oui, cuire le pavé de thon dans une poêle bien chaude durant 10 secondes de chaque côté, puis couper des tranches d'1 cm d'épaisseur. Pour la décoration, couper des bandes de feuilles de briques, ajouter autour d'un emporte-pièce triangle et attaché avec des pinces, puis badigeonner de beurre. Ok, beurre brique. Et après. Et cuire à 180 degrés jusqu'à coloration. Cuire 180 degrés jusqu'à cuisson. C'est une sauce. Bon, et ben bon courage. Merci. Là, on a toute la recette là. Ah, sincèrement, moi je pense que c'est un massacre. Écoute, tu vois, là on a un buzzer. Ok. C'est pas Secret Story, tu vois. Non. Il faut pas trouver le secret. Il n'y a pas la voix. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tout ça. Par contre, quand on appuie dessus, on a le droit à 2 fois de l'appui dessus. Okay. Quand on appuie, qu'est-ce que ça fait? On aura le droit à 30 secondes en visioconférence avec Johan pour lui poser toutes les questions qu'on veut. 30 secondes, pas plus. On a le droit du coup à 1 minute au total. Est-ce que tu connais déjà tous les ingrédients qu'il y a là? Oui. Vas-y. Ouais, mais il y a des pièges. C'est quoi ça? Ça, je sais pas. C'est le seul truc que je connais pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait éliminer ce qu'on connaissait. Mais écoute, c'est le seul truc qu'on va devoir utiliser là-dedans, je pense. Hein. Ce sont des avocats. Je suis Alexandre. Ah oui. Oh, je suis pas sûr que ce soit de l'huile d'olive. Sans. Ah oui, ah non, ça c'est du vinaigre. Et c'est quoi alors ça? C'est ça du vinaigre? Mais non, c'est ça vinaigre. Ça doit être.
Tourné de quoi? Vin rouge. Oui, bah, budget. Bah. Attends, mais j'ai oublié de marquer les grammes. T'avais une mission. T'avais une mission. Mais combien on met d'huile dans le verre de soja? Je vois jamais en mettre trop. Vas-y, vas-y, je te dis stop. C'est pas de l'huile. C'est pas, je te jure, c'est pas de l'huile. Ah, l'huile d'olive, c'est peut-être ça. Écoute ça, je pense que c'est du saké. Tu sens si ça sent fort? C'est quoi du saké? Le saké? Ouais. C'est une petite crème douce. C'est horrible. C'est du saké. C'est l'huile de sésame, ça doit être le truc bizarre là, on dirait. Ah bah oui, c'est sûr. Bah oui, le truc bizarre bah là. Bah oui, c'est ça. Et heureusement que je suis là parce que. C'est vrai. Je pense que je te pensais meilleur. Écoute, bah vas-y, dis-moi le dosage encore. Vas-y, vas-y, je te dis. Top. Il serait temps quand même. Eh, on fait pas une soupe. Vinaigre, c'est ça. Vas-y. Par contre, saké, je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Vinaigre non plus. Non, non. Saké, à mon avis, faut en mettre une. Top. Il va être fortement alcoolisé notre truc. Oh, pas mal. La prise d'initiative là. Eh, vas-y, coupe, c'est pas grave. Dans tous les cas, on rattrape. C'est bon, non, mec, j'ai trop géré. Non, moi je pense qu'on se met en vrai, notre jeu, je pense que ça se passe mieux qu'avec Rocky. On est beaucoup plus compétitif et beaucoup plus fort que Rocky. Vraiment, c'est vrai. Sincèrement. C'est vrai. Alors, je te jure, oh c'est là ça. Oh là là, la dinguerie. Ok, faut aller bon, le mettre après. Une heure. Alors là, bah, par contre, la photo. Moi, comment on allume? Attends. Je crois qu'il faut appuyer. Ah oui. Oui. Non, attends, ça appuie pas au bon endroit. Mais ça sent le gaz, mais elle est où l'étincelle? Il faut une allumée. Non, mais non, mais non, mais regarde. Oh! Oh, ça marche! Là, j'ai été bon. T'es un smurfer! La courgette, c'est facile. Coupe en petits morceaux, tu penses? Est-ce que tu as lavé avant? T'as pas une. Non, tranquille. Des oublis, ça arrive. Faut l'éplucher. Tu penses? Ah ouais, pas mal, ça. Ah, bon, au moins, là, t'es sûr de pas te couper. Top! Voilà, c'est nickel. Attends, mélange. Pff, t'as une technique de mélange. C'est ça le sésame. Attends, mais on a fait quoi? Attends, faut mettre du sésame aussi dedans. Rien. Mais bah, c'est ça l'huile de sésame depuis le début. On va mettre un peu. Qu'est-ce que c'est? Encore un peu, tu penses ou pas? Non, on n'a pas confondu. C'est peut-être ça l'huile de sésame depuis le début. Bah oui, je crois. Mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? On en a mis partout dans le plat depuis le début. Bah ça fera revisiter. Puis je suis sûr, il dira c'était peut-être une bonne idée. Non, c'est pour la fin du monde, je pense. C'est pas très grave. Ouais, je vais même en mettre ensuite, un peu. Au frais. Ok. Ah, fausse bonne idée. On a fait. Non non, non. Comment voilà. On coupe un avocat? Comment on coupe un avocat? C'est archi dur. Tu veux que je le fasse? Mais tu tranches, frérot. Mais il y a un noyau dedans. Attends. Ah, c'est comme un. C'est comme les trucs surprises là, tu sais, les chocolats. Oh. Non, Jesmer, regarde mon travail. Ouh. Qu'est-ce que tu fais? Bah, frérot. Il a marqué 100 grammes de sucre. Mais c'est pas comme ça! Il fallait mettre 100 grammes de sucre et tu le pèses et tu le remets dedans. Mais non! Vas-y, vas-y. C'est de la farine! Non! Je crois pas. Ah non, c'est bon, c'est ça la farine là-bas. Ne fais pas des frères comme ça. On a des buzzers. Ouais, là je pense qu'il faut buzzer. Ok. T'as vu, hein, c'est. Assez. Regarde les gens là, on le voit et tout. Oh, Johan, alors les gars! Johan, on en fait quoi du jus de salamandre? Alors, c'est pas du jus de calamansi. C'est du yuzu. Ceci, c'est pour faire la gelée. Vous devez mettre 3 feuilles de gélatine ramollies dans l'eau froide. Une fois que le liquide est chaud, vous rajoutez vos 3 feuilles de gélatine. Et vous coulez ça dans une plaque et vous le mettez au congèle. Feuilles de gélatine, ça va être ça. Putain! Ça là? Ouais. Mais non, mais pas ça! Ah frérot! Mais connard, c'est des. C'est, bah, c'est ça les feuilles de gélatine! Frérot, avec le soleil, je te voyais pas. J'arrête de chauffer et sors mais avec tes mains. Comment tu gères ça? Bah, tu les prends et tu les. Au-dessus de l'eau, non? Oh! Ça a l'air c'est horrible! Et tu veux que j'en fasse quoi ça? Ça, on met là-dedans, je pense. Vas-y, prépare le truc. Il est prêt? Oh, c'est horrible. Franchement, c'est pas facile, non? Je te laisse aller le mettre au frais, ouais. Je vais prendre ça. Le frigo, c'est moi. Au congèle, mets au congèle! Non, mais t'es en full choc là. Tu sais que t'es vraiment t'es en full erreur hein, depuis tout à l'heure. Oh, frérot, tu vas pas croire ce qui nous arrive. La plaque, elle rentre pas. La plaque, elle rentre pas? Dans le congélateur. Oh, c'est pas possible. Bah, on met au frigo, hein, je pense. On n'a pas la place. Attends. Ah, frérot. Faut tèche son truc, là. Je suis désolé, mais... Le son plein, on le congèle, au pire. Nickel. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on active la dinguerie. Et ça, faut le mettre là-dedans. Mais je crois que ça, c'était les petites boules, tu sais. Pour moi, il reste quoi à faire? Ça, et ensuite faire cuire le thon. Le thon, c'est coupé 10 secondes de chaque côté. Oui, ça, c'est facile. Fini tout sur tout. Ça? Tu veux faire sur quoi? Four. 10 secondes de chaque côté au four.
Je suis pas sûr que ça pique. Moi, je serai toi, on buzz. Pour l'instant. Et après, au pire, on négocie un troisième buzz pour la fin. Il y a des règles comme ça ou... Il y a toutes les règles avec toi. Tu peux négocier. Hein. Vas-y, moi, je pense qu'il faut buzzer. Alors, les gars. Déjà, est-ce que l'avocat, c'est bon? On a bien géré. Alors, il faut rajouter dedans le jus qu'il y a à côté des aubergines. C'est du jus de calamansi. Ça. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on fait quoi? Faut le mixer jusqu'à ce que ce soit lisse. Et après? Après vous le mettez dans le petit biberon en plastique. Ok, et ça on va le badigeonner. Ok. Et ensuite, voilà. Il faut qu'on fasse quoi? Il nous reste quoi à faire? Le décor en feuille de brique et le ton. Ok. Oh, parfait. Full smurf. Ah, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Hey. Tu fais quoi? Non, non, mais là, ils ont eu une excellente. J'avais vu tout à l'heure, ils ont laissé ça dans la cuisine. Mais sauf qu'il était bien comme ça, mais je l'ai cassé. Mais non, mais c'est, mais c'est bon, je sais comment faire. Rien. Mais non, mais c'est juste. Oui, c'est pas très esthétique, mais attends. Je sais absolument pas comment on fait. Mais si, frérot, regarde. Il l'a pas fait autrement. Un ciseau. Non, mais avec un ciseau. Mais non, mais regarde, et c'est carrément clean. Ça sort partout. Et de... Comment? Mais moi, j'arrive trop bien à verser, t'inquiète. Tu fous le Non, mais non. Super, mais t'es un joker. Mais putain, on aurait dû le faire à une cuillère, frérot. On a perdu la moitié. Mais non. Non, mais t'es un... Je peux pas. On fait vraiment griller comme un barbecue sur la plaque? Non, c'est pas possible. Et là, c'est bon, là, non, Nikoff? Moi, je pense que c'est bon, les gars. Vas-y, tiens-le. Parfait. C'est bon. Oh, let's go. Là, on a été bon. Hein. Vas-y, 3, 2, 2 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Maintenant, avec l'ustensile, fais voir. On tartine dedans. Vas-y. Attends, je cherche un truc, mais... qui n'existe pas. Banger. Sincèrement, je pense que... Là, vraiment. No joke, je pense que la dernière fois, le gâteau, je l'avais uniquement choc à cause de Rocky. Hein. Là, maintenant que j'ai un vrai compagnon qui sait un petit peu cuisiner, tu vois. On est prêt. On accueille Johan. Johan, t'en as pensé quoi un petit peu de notre tool global? Il y a du bien. Il y a de la bonne volonté, bien sûr. Déjà, le thon, il fallait pas le couper dès le début. Il fallait attendre de le saisir et après de le couper. Mais ça se trouve, il est très bon. On va peut-être te surprendre sur ça. Honnêtement, on va peut-être te surprendre avec le thon parce que vraiment, il est pixel. Mm-mm. Je pense qu'on a choc la truc Uber, là. Pâte en croûte là. D'ailleurs, tu m'as piqué le mien. Ouais. Oui, c'est juste doux. Bah, en fait, c'était le sien qui l'avait sorti, je pense. Ouais. Et moi, je l'ai pris et je l'ai cassé sans faire exprès. Son plat, ouais, il y a une. La gelée, c'est pas du tout ça qu'on a fait. Hein. Visuellement, quelle note vous nous mettez? Je mettrais un 7 sur 10. Oh, franchement, c'est bien. Je te laisse goûter ce que tu dis, ce que tu veux, etc. Honnêtement, moi, je suis très fier du thon. Je n'ai jamais mangé un thon aussi bon de ma vie. Il a pas l'air surpris. Si. Si, là, justement, il y a beaucoup d'arômes. C'est très bon. On sent bien la marinade, franchement c'est très bon. Par contre ça fume, ça c'est ouais, la ça, excuse-nous, hein. c'est pas de notre faute. Il n'y avait plus de congélo. Le congélo était pas disponible. Certes ça a pas pris, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on retrouve le même goût qu'ici. On a le même niveau. Les légumes par contre, ça croustille beaucoup trop, je pense que là c'est... On a peut-être oublié les... Non, les faire sauter. Pas forcément parce que les miens sont crus aussi, mais ils sont beaucoup moins gros. Et j'aurais dû te dire de couper. T'as fait les carottes. Mais... Oui. Tu me rejettes la faute devant tout le monde. Du coup, la note du goût, tu nous mettrais combien? Sur le goût, vous m'avez surpris. Donc, je mettrais un 8. Oh, je mettrais un 8 parce que le thon est quand même bon. Le yuzu a le même goût qu'ici, donc... Franchement... On s'est trompé juste sur la gélatine, mais c'est pas notre faute. Pour des mecs qui n'ont jamais cuisiné... Et la taille des carottes. Tout sincèrement, on s'en est très bien sorti parce que les erreurs qu'on a faites ne sont pas réellement de notre ressort. C'est vrai. Merci à toi pour ton plat qui était excellent. Encore un grand merci aussi à Aldi. Qui sponsorise tout ça, c'est grâce à eux qu'on peut manger du thon succulent, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai. Est-ce qu'on donnerait pas un nom à notre plat? Moi je pense qu'on l'appelle le plat dinosauresque. Vas-y. Le plat dinosauresque. Dinosauresque. Grand merci à Johan d'ailleurs de nous avoir fait découvrir tout ça. Franchement, t'es un
t'es un chef. Est-ce que actuellement tu cuisines encore? T'as un restaurant? Tu veux faire une petite pub? Bah moi je suis gérant de mon entreprise de traiteur. Okay. Après moi je suis situé dans l'Allier. L'entreprise s'appelle Au Gourmandise du Frag. Bah n'hésitez pas à aller suivre tout ça sur les réseaux sociaux et puis passer commande. Grand merci à toi aussi d'être libéré dans ton emploi du temps de ministre. Hein, parce que évidemment. T'es quand même une star internationale, triple champion du monde. Merci à toi pour l'invitation. Non, et franchement, c'était excellent. Exceptionnel. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée, merci. À plus. Soirée.